Hola! Hola à tous et bon comeback sur Anima Gaming FR et sur Koa Project, ce petit jeu vachement mignon qui vous donne envie de vous évader. Et on va enfin découvrir le premier monde. C'est marrant, on dirait une sorte de mixte entre. Bah, pas Mario, je dirais, parce que c'est pas assez nerveux. Mais il y a un petit côté Bob l'éponge, un petit. Ou c'est peut-être dans les décors. Parce que j'avoue que les coquillages à récupérer et les. Comment ça s'appelle LOL, je peux tout péter. Et les plages ressemblent quand même vachement à Bob l'éponge là-dessus. Ça tombe, c'est de la pure parodie, du pur vol intellectuel. Rien à foutre. C'est quoi cette histoire de poisson là? Rien à dire? Je peux me servir? Apparemment non. Alors là, on va retenter la roulade. On rappelle la roulade, vous sautez et seulement quand vous descendez, quand vous y arrivez. Hop, hop, voilà. Je m'en doutais. La découverte du jeu. Il y a aussi un petit côté Dora, effectivement enfantin. Je sais pas, je suis bien, moi ça. Ça me détend, je suis content. Pour l'instant, on n'a toujours pas croisé d'ennemis, il me semble. Malgré qu'on ait croisé des poubelles. Tadadadada. Oh, les poupoules! Est-ce qu'on peut faire du mal aux poupoules? C'est marrant, hier, je fais partie de ces youtubeurs, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Je suis sur un jeu, je joue un animal, il faut que je tente de le tuer. Si je joue un enfant, il faut que je tente de le tuer. Ce que vous voulez, on se fait plaisir comme on peut. Ta-ta-ta-ta-ta. Juste pour la moula. J'ai eu peur pendant une seconde justement que ça ne m'accumule pas. Au moment où j'ai regardé le score, j'ai vu 100, je me suis dit, ah. Pas de dégâts de shoot. D'ailleurs, c'est bizarre, je viens de me rendre compte que j'avais des cœurs aussi. Alors que c'est faux, Anima Gaming n'a pas de cœur. C'est un salaud. Oh. Hein? J'ai fait la roulette par inadvertance. Ok. J'ai cru qu'en courant, c'était passé. Bah, du coup, tout ça se pète. Ok. Bah, par inadvertance, j'ai vu que ça se pétait. Bah, par inadvertance, j'ai trouvé ça. Ok. Ah bah j'ai bien fait de le trouver par inadvertance, j'aurais été bloqué. Par contre j'avoue que la roulade, autant c'est astucieux la façon dont vous l'avez construite, autant c'est un petit peu chiant la manière merde, de s'en servir. Voilà. Ta 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 ta. Bon au moins ils auraient. Bon, j'aurais au moins cherché un bouton rouge grâce à celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe aux infos aujourd'hui? 2-2-2. Toup, 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 toup. Oh, ça, c'était presque du suicide. Ah non, c'est 2-3 en plus. C'est pas 2-2. Et puis, il n'y a pas l'heure, mais il y a les grandes gueules. Ouais, il y a les grandes gueules. Essayons de casser ça. Ah bah, bien sûr, les pubs! Qu'est-ce donc que ce soit? Wow, point de contrôle. On dirait la police. Toc, 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 nous allons la faire posséder un contrôle. J'ai un doute, c'était là où j'étais en bas tout à l'heure ou pas? Ouais, j'y suis pas passé. Le 100% qui t'a passé une seule fois. En plus, c'est cool, avec le timing en haut, je sais à peu près où j'en suis en plus. Pourquoi je suis en montée, moi? J'avoue, j'ai pété un câble. Et ouais!
est pas con, la brelle. Du coup, je sais pas du coup c'est quoi ces bonus, hein. Tum, 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 tum. Il y a des jeux comme ça où j'ai toujours hésité à me faire et tout. Je me suis dit parfois, est-ce que ça va vraiment être sympa ou pas? Bon, j'ai pas vraiment hésité pour Bob l'éponge et j'ai pris mon pied. J'ai Yooka-Laylee que j'ai eu gratuit. Pareil, j'ai jamais fait. À chaque fois, j'ai eu trop peur. On me disait, ouais, en fond-teint ou nanani, nanana. Je me suis dit, ça va peut-être être chiant. Bon, après, c'est peut-être le genre de jeu que je devrais faire à une période où il y a des sujets d'actualité, qu'il y a des trucs à parler quand même, parce que. Bah, je peux me contenter de m'émerveiller, mais. Alors, nos problématiques internes nous intéressent, c'est quoi? C'est. Ouais, ok, c'est un quiz, pour l'instant, on s'en fout. Vas-y, la 27, qu'est-ce que tu nous dis? 27. Ah oui, le rappeur Coolio est mort à l'âge de 59 ans. Gangsta Paradise, pour ceux qui se rappellent pas de ce qui est. L'hiver peut-il changer le cours de la guerre? Ça, c'est intéressant. Parce qu'il faut bien se rappeler que la Russie et l'Ukraine ne se tapent pas les mêmes hivers que nous. Est-ce que ça aurait un impact vraiment chelou militaire? C'est possible. Non! Bon, tant pis. J'allais dire, il reste des trucs à côté, mais. Ah oui, il y a quand même un mode compète speedrun. Et attends, et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, la guerre, l'hiver et tout. Les sujets, pourquoi il parlait de quoi déjà sur le midi? Peut-être que c'est bon. Ah oui, Coolio, effectivement. Coolio, pareil, des trucs. Ça, je l'ai vu sur YouTube, donc de temps en temps, je vais voir un petit peu les. Comment ça s'appelle Les commentaires qu'il peut y avoir en dessous. Et en dessous, il y a des commentaires, mais du genre, ouais, à un moment, faudrait peut-être se réveiller. Quelqu'un qui meurt à 59 ans, comme ça, faudrait peut-être se dire que c'est par rapport à notre environnement ou quoi que ce soit. Non, mais avant que de parler d'environnement et tout, le mec, c'était un gros rappeur et un gros fumeur. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas comme si il y avait de plus en plus de gens qui mourrait à 59 ans sans raison. Et je dirais même que lui, contrairement à d'autres, il a pu avoir plus ou moins le choix. Enfin, le choix, c'est bien vite dit, hein. Mais en mode, c'est le paradoxe que je me demande si c'est un truc que tout le monde se pose une fois dans sa vie. La question, est-ce que tu préfères vivre pas longtemps mais heureux et riche? Ou longtemps, mais pauvre et malheureux, quoi. Bon, après, rien à voir avec l'autre, hein. C'est pas parce que vous allez être riche, pauvre ou malheureux ou quoi que ce soit que ça aura un rapport avec le reste. Mais c'est vrai que, enfin, c'est quelqu'un qui a quand même atteint presque ses 60 ans et qui a dû vivre, mais comme un gros porc sa mère. Et c'est pas une critique, hein, franchement. Moi, je fais partie des gens qui, effectivement, préféreraient vivre 60 ans avec une magnifique vie. Que 110 dans la misère, quoi. Mais bon, y en a d'autres qui font pas ce choix-là non plus, hein. Non, je dois avouer, pour l'instant, le jeu reste mignon. Et surtout, tu te fais pas chier, t'as l'impression qu'il y a quand même toujours un nouvel environnement. C'est pas trop lent. C'est pas trop long. J'ai l'impression que les mondes de Bob l'éponge étaient quand même un peu plus longs. Bon, après, il y avait peut-être plus de backtracking aussi. Hein. Oh, j'ai eu une chatte! Parce que là, j'étais sur le côté, mais c'était absolument pas prévu. Est-ce que ça cache quelque chose là-bas? Ça cache quelque chose. Je m'en doutais. Du coup, ça me donne presque envie de revenir en arrière en mode j'ai oublié des trucs.
Vas-y, enfin quoi que je pourrais peut-être même pas revenir en arrière avec le saut que je viens de me taper. Là, je peux revenir de nulle part, je crois. Non. Et de l'autre côté là-bas. Non, c'est dommage que je puisse pas tourner la caméra. Attends, vas-y. Ouais, non, il y avait l'air de rien avoir de... Enfin, quoi que. Il y a un poteau derrière, vas-y, on va quand même aller voir. Nanana. La 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 la. Et non, y avait rien, rien. Nanana. C'est comme, c'est con, avant que je lance ma chaîne, bon, vous me direz, des vidéos de ces jeux-là, il y en a plein. Mais je m'étais fait les Spyro juste avant. Et autant je me dis, ça aurait peut-être été intéressant de faire le 100% avec vous à l'époque quand j'avais pas fait, qu'aujourd'hui je crois que j'aurais plus le courage de me taper le 100%. Surtout qu'on va pas se mentir, hein, il y en a, j'ai dû aller voir des solutions. Parce qu'en plus, c'est même pas du 100% sur Spyro, c'est du 120%, je crois. Mais après, c'est peut-être un petit parti pris aussi le fait que tu puisses pas bouger la caméra. Parce que c'est vrai que par exemple, là, ce qui se passait sur le côté de la porte, je le voyais, mais je me disais, j'ai aucun chemin, il faut vraiment te forcer à y aller pour tout découvrir. C'est un bon truc de game design, c'est pas con. Pourquoi j'ai envie de le frapper ce rocher? Lol. Nanana, nanana. Non mais quand j'entends des bruits comme ça, j'ai toujours la vision de José Garcia dans le boulet, oui, dans le boulet ou avec François Poulvorde. Où il danse avec une actrice d'ailleurs que je trouve extrêmement perturbante. Je la trouve pas moche cette fille, mais je trouve qu'elle a un truc dérangeant effectivement. Elle a un visage qui me fait bader. Compte, j'ai plus de vie. Et c'est sûr, j'irai jusqu'au bout. Ouais, c'était mauvais timing. Après voilà, ça ramène là. Ok. Non mais c'est cool, ça ramène pas trop loin, ça te fait pas perdre tout ce que t'avais, c'est cool. Yo. Nanana. J'ai été mauvais, c'est pas grave, mais ça m'apprendra à regarder avant d'y aller. What? Ça on me l'avait pas appris par contre. Ouh. Ouais, donc j'en ai forcément raté un, hein, apparemment. Il va falloir revenir en arrière. Oh. C'est marrant parce que dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile. Ils auraient dû le mettre dans l'autre sens. J'ai flippé quand même. Mais ça me fait bizarre d'avoir raté quelque chose. Est-ce que j'ai raté quelque chose de ce côté-là? Je pense pas. Oh, c'était presque du suicide, ça. Y a rien plus loin, on est d'accord. Et là, si je remonte, y a rien, ça sert à rien. Après, je dis ça, une fois là. Oh, y a rien à faire, je peux pas aller par là. Oh, la chatte! Oh la chatte fois deux! Nanana. Y'a un chemin en dessous. Oh là là, je l'avais pas vu ça. Ok, donc en plus ils ont des bonnes cachettes. Nanana. Ça se booste, je m'en doutais. Ah non,
je sais pas combien il va coûter ce petit jeu, mais effectivement, je pense que ça va faire partie des jeux qui vont être dans ma liste de souhaits, effectivement. En mode, on va attendre les promos, tout ça, hein. Et j'hésite en plus, j'hésite à continuer parce que je me dis. Oh, quoique non, bah c'est officiel, il restera deux mondes. Ah, quoique, course, course. Là, je suis à combien de temps? Je vais être à peine à 20 minutes. Même pas 15 minutes. Allez, on fait tout en un épisode. Le débarquement du pirate. Toutou. Non, il faut avouer. Bon, pareil, une fois de plus, cet univers me rappelle un peu Bob l'éponge, vu que bah, y a un monde pirate carrément avec l'Hollandais volant. Mais il y a vraiment une patte, quoi. Chaque monde. Même si ça me rappelle d'autres jeux, chaque monde a l'air vraiment indépendant, quoi. Tout, 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 tout. Oups. Nanana. Olé! Après, bien sûr, hein, vous aurez toujours le côté speedrun. Je vais peut-être pas le faire moi en mode speedrun après. Mais. What? Je me disais bien là, ça, il faut monter. Et du coup, je peux marcher sur une corde. Oh! Olé! Et c'est à ça aussi que tu vois que. Putain, mais. En fait, en sécurité, tout a été bien calculé! Que ce soit ton personnage, que ce soit le game design pour trouver, tout est bien marqué. Franchement, grand respect. Même si, allez, certains vont dire c'est juste un jeu pour enfants et tout. En tant qu'adulte, déjà, j'y prends du plaisir. Mais en plus, tu vois que il y a beaucoup de, comment dire, bah, de décors, de choses pas superflues, mais de choses. Intéressants qui ont été bien agrémentés. Franchement, le grand respect pour le créateur du jeu. Je me demande c'est qui. Je me doutais que ça allait finir comme ça, mais différemment. Ah, j'ai un doute sur celui-là, si je peux le péter ou pas. Oh, ouais, trop gros. Qui est gros? Là, le truc qui donne pas envie de revenir en arrière, c'était le truc pour cacher, mais non. Nanana. Par contre, ça va pas me plaire. Le fait qu'il y en ait des plus hauts que je puisse pas attraper, ça, il faudra revenir de quelque part, à mon avis. La 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 la. Alors sinon j'avais même pas fini mon tour des chaînes moi. Parce que oui dans les grandes gueules c'était encore la question de la réforme des retraites. Ils vont appeler tout le monde pour. Par contre là où tu vois que Estelle Midi a quand même mieux travaillé que Grande Gueule, c'est quand tu regardes Estelle Midi, tu veux voir un sujet, tu vois le titre du sujet. Là, t'as des GG, je sais tes matchs, GG cuit. Ben, en fait, tu sais absolument pas ce que tu vas avoir, donc tu passes et tu te fais chier. Du coup, allons voir sur la 6, Morandini, qu'est-ce que tu racontes, toi? Nantes face à l'insécurité, ouais, bah ouais, bah ouais. Et le live Toussaint? Je sais pas, on verra. Burk. Ah, j'ai un petit hoquet qui se lance, non! Cure! Ah! Ah non, pas un hoquet froid. Burk. Non, 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 non. Quoi, ça cache rien? J'aurais espéré.
Ah, entre le hockey et le ventilo qui me fait froid et tout, ça va être difficile de communiquer. Ça suffit. Oh! J'avoue, j'aurais peut-être pas dû sprinter comme ça. Oh! Il suffit de rester sur le haut, quoi. Enfin, ouais, rester sur le haut, mais du bon côté. Oh! Voilà, ça passe. Du coup, faut les jeter. Là, le bruit des trucs. Ok, c'était juste pour ça. Je me disais bien, il y a un délai. Là, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Au moins, rien oublié. Du coup, faut revenir par les canons. Lol. Ah! Oui, je râle contre mon corps. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, là, il n'y a pas la caméra, donc vous ne voyez pas, mais toutes les 15 secondes, je sursaute. Hop, hop, hop. Ouais, mais du coup, je fais comment ici? Hein? Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça, je suis pas sûr que c'était comme ça qu'on devait le faire, mais ça marche pour moi. Ça marche pour moi, moi, moi. Ok, est-ce que je ferais... Ouais, faut que je ramène une bombe jusque-là, à tous les coups. Ah, mais elle va pas tenir jusque-là. Ah si, elle est là. J'avais un doute si elle était avant les tonneaux ou pas. Bon, ça sent quand même la mort, hein, on va pas se mentir. Bah là où j'ai perdu mon dernier cœur, je crois que c'est là que je vais mourir. Bah. Et ça valait le coup. Ah, je cumule nez bouché, ok, et rototo. Faut le faire, hein. Oh, ça passe! Non, 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 non. Et go! Oui, je peux pas aller plus loin dans la grotte, non. Non, non, non. Je pensais pas que ça passerait. Oh, il y a des trucs chelous qui passent, mais ça passe. Oh, les. Putain, quand même, il faudrait le faire en 1,35 quand même. La médaille d'or, elle a l'air chaud, hein. J'en testerai peut-être juste une comme ça au hasard avant de partir. On va d'abord aller faire la course. Et après, ben, je crois qu'on sera à la fin de la démo. À moins qu'ils me disent, ce serait cool, n'empêche qu'ils me disent, ah bah t'as fait tous les trucs du phare, va là-bas. Allez, ça va sprinter. Attends, c'est une course ou c'est pas une course? Bah, ça m'a pas l'air d'être une course. Petit côté monde de Mario dans l'horloge, les écrous. Un petit côté aussi Crash Team Racing et toujours Bob l'éponge aussi. C'est vrai qu'il y a des courses comme ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui allait sortir ou qui était sorti de Bob l'éponge.
Wow! Par contre, il y a quand même les secrets à récupérer, je suis en train de voir en hauteur. Le hockey, ça va bien avec le saut dans la course. Je me demandais, est-ce que je saute ou est-ce que je vais aller trop loin? Olé! Choisis le bon côté, gamin! Franchement, je prends mon pied. Hein. Franchement, y a pas à dire. Oups. Ouh, c'était juste. Non, je t'ai vu, saloperie! Non! Juste pour le récupérer, honnêtement. Saleté de hockey. Je l'ai. Je me disais bien qu'il fallait lancer le saut assez tôt. C'est marrant, 2 minutes, ça me semble plus long que sur les autres maps. Vas-y, pour l'instant j'ai fait continuer parce que je me suis dit voilà, t'as des nouvelles cartes. Il y a du nouveau au stand de vêtements. Bouh, venez y jeter un coup d'œil. Sérieux? Ah ok. Ok, c'est peut-être juste du nouveau des skins. Ok. Non! Non! N'ouvre pas des trucs comme ça, oui. Avec ce code, vous pouvez débloquer un costume dans la version. Ok, on s'en fout. Je le verrai de toute façon, je l'aurai en vidéo. Bah d'ailleurs, si vous avez vu cette vidéo et que vous avez fini, que vous avez acheté le jeu que parce que ça vous a plu, n'hésitez pas à, comment dire. Utiliser ce code. Allez, on va essayer une en sprint. Au moins pour voir, et après on ira voir la boutique et tout. Parce qu'une 30, ça me semble abusé quand même. Ta-ta-ta-ta. Bon, quoique c'est vrai que je suis déjà là en 20 secondes. Ah, c'était pas le bon. Fais chier. Fais chier. Ah! Et c'est là-dessus que je vais perdre. Oh putain! Voilà. J'étais trop près, que voulez-vous? Trop près de la caisse. Ta 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 ta. Et bon, ça veut dire qu'il y a un mec. Je suis sûr qu'il y en a qui font ça parfois. Qui achètent le jeu uniquement pour le parcourir et foncer sans découvrir les univers. Donc c'est vrai que je suis sûr qu'il y a des mecs qui doivent finir les jeux comme ça, disons, je sais pas, t'as 20 mondes, 20 fois 2 minutes, voilà, en 40 minutes, ça tombe, ils finissent le jeu. Du coup, moins d'une minute 20? Ouais. En moins d'une minute 10, il fallait faire merde. Du coup, c'est nickel. Et tiens, voyons voir s'il y a déjà des leaders board ou des conneries comme ça, non? Rien, rien. Ok, bah je vais quand même aller voir vite fait à la boutique, il avait dit, et au truc, voir s'il n'y a pas des mondes, si c'est juste des skins.
Stand de vêtements, ok. Et boutique. Oh, tiens, c'est pas lui. Ok. Par contre, les petites tenues de pédodile, c'est peut-être pas pour moi. Et ça, c'est quoi? C'est censé être la boutique, non? Forgeron. Ça, c'est le truc avec le mec dépressif, là. Comment t'appelles ça? Qui là, ouais. La boutique, elle est tout en bas, il me semble. Ok. Donc ça aussi c'est terminé normalement. À moins que je retrouve encore une. Voilà, c'est toi que je voulais voir. Spécialité, n'oublie pas de l'ajouter. Oui, bah y a rien de neuf alors, qu'est-ce que tu me racontes? Quoi, attends, c'est contre elle maintenant que je fais la course? Vas-y, on va le tenter. 1 minute 5 à battre, ma peau! Même pas peur. Écoute. Ok, en plus, si là, il y aura peut-être un petit truc en mode effectivement compétitif à 4. Ouais, donc, à mon avis, il faudra enchaîner les roulades. Ah, mais. En plus, c'est déjà activé. Vas-y, attends-moi, pute! Non! Est-ce que je peux redémarrer? Redémarrer, voilà, on a vu le principe. Allez, je te suis, garce! Elle a réussi à enchaîner. Allez, enchaîne les roulades! Pourquoi elle n'y arrive plus? J'aurais dû attendre! Je l'aurais. Oh, quoique, on s'en fout. Ah ah ah! Joe Biden est-il sénile? Hélas, je le crains. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, là, je veux bien entendre. Bah, de toute façon, j'ai bientôt fini la vidéo. Je regarde ça. Bah, parce que. C'est triste à dire, mais. Attends. Voilà, moi, j'avais déjà vu ces images. Pourquoi il l'a refait? Parce que je dirais pas qu'il est sénile fou, en mode fou dangereux, mais je pense qu'effectivement il est peut-être un peu sénile, un peu, comment dire, je pense qu'il a des hallucinations parfois, il a des absences. C'est pour ça que je préfère encore ça que quelqu'un de fou dangereux comme Hillary Clinton, qui elle n'a peut-être pas d'absence, mais elle, t'inquiète pas. Il peut y avoir des gros problèmes. Elle est folle dans sa cruauté, quoi. Et c'est pour ça que moi, je réitérerai toujours, hein, peu importe ce qu'on peut dire sur Trump, l'Amérique qui a eu Trump au lieu de Hillary a eu beaucoup de chance. Bah, merde, du coup, ils sont tous revenus, les poubelles? C'est quoi ce délire? Vas-y, je vais redescendre à croire qu'elles sont réapparues. Genre là il y en avait en bas normalement, encore juste en dessous, que je vais remonter les escaliers avec. Ok, là ça a pas l'air d'être revenu, il y en avait une aussi en haut là-bas, elle a pas l'air d'être revenue, ok. Bon bah c'est peut-être une zone que j'avais pas nettoyée, tiens allons revoir le restaurateur du coup. Ah c'est cool.
Je vais vendre des sacs à dos. Ils sont différents. Je vais les faire à partir. Ok, tu vas faire du bio, quoi. Quatre morceaux de plastique, les niveaux, apporte-les-moi. Bah, je les ai. Ah, tiens, je les ai, tes quatre morceaux. Attends, vas-y, je vais bouger, essayer de re-rentrer. Ok. Ok, donc les trucs que vous ramassez dans les niveaux, ça peut servir à ça. Bon, restaurant, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Du coup, t'as fini avec tes poubelles? Presque tout, salaud! Non, bah, je vais vous laisser les découvrir de toute façon. Je présume que le reste, bah, ça débloquera des trucs pour le jeu complet, quoi. C'est frustrant parce que j'y étais presque. Donc, si jamais vous voulez apprendre à faire ce saut là, faut appuyer sur A et X en même temps sur une manette. Enfin, sauter et rouler en même temps, quoi. Au lieu de faire roulade, vous appuyez en même temps et ça passe. Ok. Yaha, yaha. Allez, un petit dernier tour pour la forme. C'est pas la grande forme, on dirait. Parce que surtout qu'il doit m'en manquer qu'un seul poubelle. Ça, je peux pas le prendre de toute façon. Là-bas, j'en vois une. Bon, moi, tu vas pas me dire que celle-là, elle a dû apparaître. Elle était pas là dès le début, c'est pas possible, t'as vu le truc? Comme si j'avais pu rater ça. C'est possible, hein? Peut-être qu'il faut aller revoir. Je vais revenir sur mes vidéos et me dire, tiens, effectivement, je passais à côté, j'avais rien vu. Allez, allez, on le revoit au cas où ce serait à chaque fois le dernier, on espère. Bah, si des créateurs du jeu. Là, c'est le seul truc qui me manque. C'est effectivement qu'il y a un compteur. C'est un simple compteur. Ce serait cool. Mais bon, c'était pas le dernier sac poubelle. Ah, ici, c'est pas des crocodiles. Eh ben, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'hab, je vous souhaite le meilleur du monde. C'était le moment de tousser. Santé, argent, bonheur, amour, diplôme, carrière, tout ce qu'il vous faut. Et la même chose pour moi, bah avec pouce bleu, abonnement, partage. C'est ce qui fera vivre la chaîne. Ah, non, je ne veux rien confirmer, s'il vous plaît. Hop, des bisous, ciao.